Gabon, vous voyez bien que là, nous sommes au port Mall, on est réunis par rapport à ce drame qui s'est passé. Je tiens à lancer un message au président de la République, lui dire que simplement, qu'il se rende compte que la veste qu'on appelle Gabon là, pèse sur ses épaules. C'est trop lourd pour lui. Il a quand même pu porter cette veste là de 2009 en 2016. Il voit bien que le pays tangue. Donc il est temps qu'il se déshabille de cette veste là, qu'il remette ça à quelqu'un d'autre. Et moi, je demanderais tout simplement la démission du ministre de Transport. Et en même temps, demander la démission des responsables de la brigade nautique. C'est inacceptable que nos frères, nos parents meurent là, juste là, à côté là. Du moment qu'ils ont reçu le signal, autour de 3 heures, et ils arrivent ici à 9 heures, 8 heures, c'est inacceptable. Logiquement, dans un pays normal, même Bilibinze, en tant que premier ministre, il allait démissionner. Mais comme on est dans un pays là où on ne vit que de poste, on est là pour faire des carrières, de s'enrichir au détriment du peuple, voilà ce qu'on a comme gouvernement. Parce que moi, Éric Othété, le président de la République doit vraiment m'a dit que non, on va, moi je ne vais même pas aux élections. Parce que la baisse pèse. Il est arrivé en 2009, la baisse était pour Omar Bongo. Omar Bongo avait un petit corps. Il a mené cette bestiole sur le tailleur, il a grandi. Ok, d'accord, il a porté. Mais on nous montre les événements, nous pouvons se dire qu'en 2016, il a fait une AVC. La baisse est encore devenue plus balèze que lui, que son corps. Et ça, vous comprenez, c'est un fait de la nature. Donc Ali aussi doit se reposer. Et Bilibinze doit démissionner. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. Nous sommes heureux d'avoir rencontré justement ce lieu tragique, Monseigneur Mike Diokhan, qui est candidat à la présidentielle de 2023 et qui nous propose également un nouveau Gabon. Il y a donc une convergence d'énergie et d'intelligence pour que transpire la vérité et la justice dans cette affaire. Merci, Monseigneur Diokhan. Merci. Vous savez que cette situation est une situation qui concerne tous les Gabonais. Au-delà des appartenances ethniques ou même des appartenances politiques. Je suis ici à double titre. Je suis ici parce que je suis Gabonais et que la situation de tous les Gabonais me préoccupe. Mais je suis aussi ici parce que ma tante fait partie des personnes que l'on continue à rechercher. Alors vous souffrez dans votre cœur. Donc je souffre effectivement dans mon âme aussi de cette incertitude que nous avons tous. Puisque les recherches continuent, j'ai fait le choix de croire que quelque chose est encore possible. Effectivement, quand cette affaire sera terminée, il faudra que chacun rende compte de ce qu'il a fait, de comment il l'a fait, de comment les responsabilités ont été prises, assumées. Je pense que ce temps n'est pas encore venu maintenant, mais que très rapidement, ce temps viendra. Pour le moment, moi je veux me consacrer à la prière, je veux me consacrer au recueillement. Nous pleurons des vies. Le message peut également être de portée spirituelle. Est-ce que les esprits du Gabon se reconnaissent encore en ce pouvoir? Ce sont des questions fondamentales qu'on doit se poser. Et je pense que du côté du gouvernement, il est important de se poser ces questions. Parce qu'on peut aller de drame en drame. De drame en drame. Et c'est des gens, à la limite, qui sont comme s'ils étaient ivres.
qui sont comme s'ils étaient ivres. Regardez un peu ce que nous avons vécu hier à Gabocet. Nous pleurons, nous recevons un corps, on envoie quand même la police venir perturber la quiétude, de ce rassemblement. Qui n'insulte. En fait, je ne sais pas. Donc vous comprenez que moi je pense que nos autorités ont un problème. Et il faudrait qu'elles prennent conscience de tout ce que la nature est en train de nous envoyer comme message. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Parce que cette catastrophe-là, ces drames-là ne peuvent pas arriver pour rien. Il y a un message là-dedans, il y a un message derrière. Et c'est à nos autorités de comprendre ce message. Le mouvement panafricain, Osons pour l'Afrique, vient s'incliner devant la mémoire des victimes du naufrage du bateau Esther Miracle, survenu le 9 mars 2023 au large de Libreville. En vue de la manifestation de la vérité, nous proposons la mise en place d'une cellule de crise regroupant autorités, rescapés et familles des rescapés, ainsi qu'organisation de défense des droits de l'homme. Saisie des faits qui affectent profondément le peuple gabonais, le parquet a immédiatement ouvert une enquête pour déterminer les raisons de ce drame. Et celle-ci est en cours. Dans la foulée, nous avouons être dubitatifs dans l'annonce par le procureur adjoint de la République de l'ouverture d'une enquête. Ce, à l'aune du flou béant qui continue d'entourer plusieurs enquêtes ouvertes depuis plus de 30 ans, du moins ouvertes ces 30 dernières années, et dont les plus récentes, dans lesquelles le peuple continue de réclamer justice, sont notamment l'assassinat de Mboulou Beka à l'avant-veille de la présidentielle de 2009, la disparition mystérieuse depuis le 12 janvier 2020 de Bébé Rinaldi dans le nord du pays, le lâche assassinat au petit marché du PK7 le 23 janvier 2020 de Chimène Flore Mangogo Bitogi, avant très récemment la répression dans le sang du concert des casseroles contre les conditions de vie précaires dans la nuit du 18 janvier 2023. Une violence aveugle qui avait coûté la vie à de nombreux compatriotes, dont Eman Vono Djenki et Gildas Iloko. La balle, voilà. C'est rentré. C'est la balle. C'est rentré. Maintenant, regarde, c'est sorti par où ici? Ou bien c'est à l'intérieur sorti. C'est pas sorti. C'est la balle. Non, il est mort. On prend tous ceux qui sont habillés. Mon Dieu. On prend tous ceux qui sont habillés. Dans des circonstances non encore élucidées, deux personnes parmi les contrevenants à Libreville ont subi des blessures par balles et succombé à ces dernières. Aussitôt, une enquête administrative a été ouverte. Celle-ci est actuellement en cours. L'annonce en ces temps, à grand renfort médiatique, de l'ouverture d'enquête sur ces affaires citées, dont la dernière remonte à 14 ans, semble être vouée à de simples déclarations de bonnes intentions à minima, à des incantations à maxima, car aucune enquête n'a à ce jour abouti. Et c'est pour éviter d'émarger dans un énième risque de vœux pieux que le mouvement panafricain Osons pour l'Afrique propose cette cellule de gestion tripartite regroupant les autorités politico-administratives et judiciaires, les victimes et les familles des victimes et les organisations de défense des droits humains. Car le risque d'apathie prolongée dans la gestion de cette catastrophe qui a fait éclater au grand jour les honteuses limites du gouvernement pourrait nous conduire, si l'on y prend garde, vers une situation aux conséquences incalculables. Alors conjuguons nos efforts en nous donnant la main d'association dans la gestion de ce drame national pour que triomphe la vérité et la justice.
Nous vous remercions. Maintenant que chacun reconnaît son pouvoir, hein, chacun, on va dire, il y a le couloir social, on va dire les confédérations dynamiques militaires, on a les panafricanistes, on a les partis politiques, on a les ONG, on a les partis, on va dire la religion, on va dire la religion. Il est important que maintenant on s'assied pour dire est-ce qu'on peut regarder dans la même direction. Et pour regarder dans la même direction, c'est comme les lions. Il faut partager le même idéal.